Après 6 sessions de travail et 2 panels, plusieurs résolutions ont été retenues par ces acteurs du droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique. Les acteurs de l'écosystème des modes alternatifs de règlement des différends au Gabon ont pris des résolutions, des engagements de travailler ensemble de manière synergique pour permettre l'évolution des mardes au Gabon. La Fédération des entreprises du Gabon, co-organisateur de cet événement, s'est engagée à accompagner les arbitres et médiateurs gabonais à travers la création d'un centre dédié à l'arbitrage et la médiation locale. La Fédération des entreprises du Gabon entend participer activement au mouvement de promotion des marques au Gabon et c'est pour ce faire qu'elle a créé le Centre d'arbitrage et de médiation du Gabon qui sera très prochainement porté à la connaissance des hautes autorités compétentes nationales. Le secrétaire permanent de l'OADA, pour sa part, a invité ses pairs à la prudence dans l'application des résolutions de ces assises. Nous voulons que le droit que nous avons et que nous avons amélioré et que nous cherchons à améliorer encore puisse effectivement servir à notre communauté. Mais pour ça, il faut que l'on fasse très attention par rapport à tout ce que l'on vient d'entendre. Tout ce que l'on a entendu pendant ces 2 journées, il y a une modernité qui ne pose pas de problème, il y a une modernité qui nous met peut-être bien beaucoup plus en difficulté. Notons que le chat de Libreville pour abriter cette grand-messe du droit des affaires intervient après les premières et deuxièmes éditions respectivement à Douala et Abidjan. Pour les organisateurs, le rendez-vous est pris pour la 4e édition.